Devine quoi. Non. Non. Allez, je t'emmène, j'ai une surprise. J'aime pas tes surprises. J'espère que c'est pas une histoire de fringues. C'est arrivé qu'une seule fois et dans un autre pays. Peu importe. Bref, hier, j'ai dû faire une croix sur mon nouveau projet. Les choses ne se goupillaient pas comme il le fallait. Il aurait fallu que je trouve autre chose à faire pour les gars. Mais le moment était mal choisi. Regarde-moi ça. Gas Monkey Live. C'est une nouvelle idée que j'avais sur le feu. Et là, ça y est, c'est à point. Ça va être prêt à servir. Admire-moi ça. Gas Monkey Live. C'est plus grand que ce que j'avais imaginé. Alex! Si vous avez, comme il se doit, suivi les épisodes précédents, vous devez savoir qu'Alex, le gérant du Gas Monkey Bar and Grill, m'a convaincu d'acheter la salle de concert située à côté. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, je suis venu voir où il en était. Les dames d'abord, je t'en prie. Wow! J'ai l'air du gars relax et décontracté comme ça. Mais à l'intérieur, je suis stressé. Tout mon argent est engagé dans cette nouvelle salle de concert. Si ça marche, les retours sur investissement seront énormes. Mais si on se rate, c'est tout l'Empire Gas Monkey qui risque de s'effondrer. C'est entièrement fait pour danser, s'éclater. Au lycée, j'étais le genre de mec qui craquait sur ses groupes préférés. C'est pour ça que le Bar and Grill avait un putain d'attrait pour moi. J'adorais. Mais avec cette salle, on passe au niveau supérieur. Cet endroit est gigantesque. Un peu qu'il est. Plus énorme, tu meurs. C'est presque aussi gros que ta tête, Richard. Ma tête a encore enflé maintenant que j'ai vu cet endroit terminé. Maintenant, on fait quoi? Il faut que le public vienne. Il ferait bien de se dépêcher. C'est sûr. Pour ce projet, j'ai mis la barre très haut. J'ai donné tout ce que j'avais. Et je veux que ce soit une putain de réussite. Je sais que la première impression est primordiale. J'ai voulu qu'on démarre très fort. Quoi de mieux pour ça que de faire venir mon groupe préféré? Super. T'es prêt pour une autre surprise? Ouais. Prêt? J'annonce la couleur? Ouais. J'ai eu Motley Crue. Quoi? Tu veux dire un groupe de reprises? Non. Les vrais Motley Crue, ils vont jouer ici même. Motley Crue? Ouais. Tommy Lee, Vince Neil, Nicky Six, ouais. Mick Mars? Ouais. Ici même. Quoi? Comment t'as fait ça? Ouais. Je me suis arrangé, j'ai des amis haut placés. Je suis le type qui voit plus loin, je vois les choses. Oh non, c'est parti. Et vous, vous exécutez. On est bon là, pas vrai? T'as dit qu'on ouvrait, on est prêt à mettre le feu. Je m'éclate sur Motley Crue depuis le lycée. Alors ce soir, ça va être le grand frisson. Ils vont nous faire connaître l'endroit. C'est toujours le dernier truc que tu fais qui va faire tomber les dominos derrière toi. Alors, voilà, on va le faire bien. Jusqu'au bout. Avec Motley Crue sur scène.